Alors moi c'est Alexia, j'ai 21 ans et j'ai pris connaissance du dispositif par rapport à la mission locale en recherchant des stages. Ils m'ont redirigé vers la POP du coup pour effectuer mon projet pro. Alors du coup moi j'ai fait un bac pro dans le sanitaire et social, donc je me suis arrêtée au bac, à la terminale. J'ai voulu passer les concours aide-soignante et infirmière. Du coup en attendant je travaillais, au final je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Du coup j'en ai profité pour arrêter et pour voir d'autres choses. Cette POP, en fait, elle va me servir à valider mon projet. Donc c'est-à-dire que là j'ai une formation en vue, donc assistante administrative, que je dois commencer au mois de novembre. Donc la POP va pouvoir définir mon projet, donc la valider, pour qu'elle puisse être prise en charge. Et ensuite, quand j'aurai fini cette formation, je vais pouvoir commencer un BTS assistante de gestion pour être assistante de direction.